Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube officielle. Je suis Alexandre Soudarive et en ce jour, nous vous présentons un nouveau reportage depuis le chantier Sevelmash. Nous sommes à gauche du BTOI et nous pouvons voir une tranchée recouverte de terre, ce qui signifie que les ouvriers ont déjà installé les lignes de télémétrie, les réseaux à courant faible et d'autres systèmes. Félicitations! Dans le bâtiment, les travaux d'installation de la tuyauterie se poursuivent et des travaux de soudure sont également en cours. À l'arrière du bâtiment, nous voyons un tas de gravats ainsi qu'une grande fosse qui a déjà été recouverte de terre et remblayée avec du sable. Ensuite, le compactage couche par couche a également été effectué. À présent, vous pouvez voir les ouvriers qui posent des tuyaux à travers lesquels l'éthylène glycol circulera à l'avenir pour le bon fonctionnement du système de climatisation. Vous voyez que le nombre de tuyaux installés et raccordés augmente de jour en jour. Maintenant, nous sommes à côté du secteur chauffage individuel et nous voyons une armoire technique pour la connexion des systèmes d'automatisation. Je tiens à noter que le travail sur la ligne principale de chauffage est presque terminé. Allons voir ce qui s'est passé depuis notre dernière visite dans ce secteur. La plupart des travaux ont déjà été réalisés là-bas. Vous voyez les indicateurs des manomètres. Cela signifie que les tuyaux ont déjà été mis sous pression. Là, il y a de l'eau. Cela est dû à un certain type de travail qui a été effectué. Allons plus loin. Surtout, prêtez attention au manomètre. Tous ces indicateurs nous disent que la ligne de chauffage a bien été installée, raccordée dans le bâtiment et mise sous pression. Dans les jours prochains, des documents nécessaires au début du fonctionnement officiel de cette ligne-là seront signés et cela nous permettra d'annoncer que le système de chauffage est fini et fonctionne déjà. Cependant, d'abord, le système fonctionnera par un circuit fermé. Et ensuite, nous aurons besoin de connecter le chauffage dans tout le bâtiment. Mais néanmoins, c'est une étape très importante et responsable que nous avons pu mettre en œuvre. À présent, nous pouvons constater qu'il s'agit d'une autre étape qui nous permettra de lancer le système de chauffage central en hiver. Bien sûr, l'exécution de ces travaux nécessite beaucoup d'attention car il faut résoudre certains problèmes qui se posent dans le processus. Par exemple, nous avons dû faire face au fait qu'au moment de raccordement de la ligne de chauffage, qui est assez longue et avec plusieurs compensateurs, l'air est entré dedans et un bouchon s'est formé. Cependant, grâce à l'expérience de notre équipe, le problème a été résolu. Le système a été mis sous pression et fonctionne à présent parfaitement bien. Félicitations. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans le bâtiment administratif et technique. Les travaux de finition y sont en cours et nous marchons déjà sur du carrelage. We'll be right back.
Vous pouvez voir que dans ces locaux, les travaux sont déjà en phase finale. Voilà le premier bureau, celui de l'ingénieur en chef, dans lequel les ouvriers ont déjà passé une couche de peinture sur les murs. La pièce acquiert donc un aspect fini. De plus, plusieurs rangées de carrelages y ont déjà été posées. Le plafond a également été peint. À noter que dans chaque bureau, la couleur est différente. Dans certaines pièces, le plafond est gris. Dans la salle d'exposition, par exemple, il est noir. Dans les salles de réunion, les couleurs seront également différentes. On va se déplacer un peu. Là, nous voyons une pièce très importante pour notre entreprise. Ici, il y a un secteur de contrôle, des moniteurs et un poste de sécurité. Par conséquent, le contrôle de l'ensemble du bâtiment sera effectué à partir de cette même pièce. Plus tard, les ouvriers installeront des cloisons en verre qui sépareront différentes zones. Vous pouvez également voir un carrelage de couleurs différentes. Ici, il est gris, mais là, dans la salle d'exposition, il est noir. Cela signifie que nous allons y créer certaines zones de style. Là, des tourniquets seront installés afin de contrôler l'entrée, ainsi qu'une porte tournante qui bloquera les courants d'air froid, de sorte que le bâtiment ne se refroidisse pas. Et voici une autre pièce particulièrement importante qui se distingue déjà par sa conception. Ici, la première rangée du carrelage a déjà été posée. À noter que ce carrelage est noir, tout comme le plafond. Ce sera une cafétéria où chaque employé pourra prendre un café, manger un petit croissant et rendre sa journée de travail encore plus agréable. Je voudrais vous parler également d'un autre événement qui est tout aussi important que le lancement de la ligne principale de chauffage. Maintenant, nous voyons une fosse à travers laquelle nous allons poursuivre la connexion des égouts pluviaux de Sevelmash directement sous la chaussée. Les travaux de forage commenceront bientôt. Tous les équipements ont déjà été installés au fond de cette fosse. Maintenant, les travaux de mise au point de cet engin surnommé Serang est en cours. Bientôt, nous pourrons connecter nos égouts pluviaux au réseau central de la ZES Technopolis Moscou. Cela suggère que le bâtiment du BTOI sera bientôt en mesure de commencer à travailler avec tous les réseaux de viabilisation bien connectés. Félicitations. Parallèlement, les travaux préparatoires sont en cours afin de poser de l'asphalte dans la zone où le système de chauffage a été installé. Cependant, nous devrons creuser une autre tranchée afin de poser les communications pour connecter l'eau froide. Mais les travaux préparatoires de base seront déjà effectués, la terre sera compactée et le remblayage avec du sable sera effectué. Maintenant, vous voyez de grands véhicules de construction qui fonctionnent sur le chantier. On dirait que très peu de temps s'est écoulé après l'arrivée de nos partenaires de différents pays sur le chantier. Mais de nombreux changements ont déjà eu lieu. Nous voulons augmenter de plus en plus le rythme de construction pour pouvoir connecter la chaleur au bâtiment d'ici l'hiver et terminer l'aménagement du terrain, bien sûr. Pour ne pas manquer les nouvelles les plus importantes, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et restez au courant de l'évolution du projet. Merci pour votre attention et à bientôt.